général aux dépens de Menchoff, juste derrière Joubert qui donc, sauf erreur, est toujours en tête de cette compétition au moment où il reçoit les derniers conseils de l'entraîneur qu'il a rejoint à Moscou en vue justement de ces championnats d'Europe pour la France. Florent Amodio, 20 ans et demi, va jouer la plus jolie carte de sa jeune carrière. Il est en tête après le programme court à la surprise générale. Nikolaï Morozov donc l'a préparé pour cette épreuve, ce championnat d'Europe. Il est en tête, mais seulement légèrement en tête. Et je pense, cher Philippe, que vous serez d'accord pour dire que les 45 premières secondes où il y a un très grand nombre de difficultés vont être très importants pour la suite des événements. Ah, et puis on va voir tout de suite s'il est dedans ou s'il ne l'est pas. Très grande concentration. J'aime bien son regard de tueur. Allez, Sergi. Un quadruple saut là, dès le départ. Attention, attention. Sergi Pontoise est derrière toi, Florent. Triple Axel, c'est bien. Allez, il rentre gentiment dans la glace. Petite hésitation là pour repartir sur la combinaison. C'était le triple Axel. Et le deuxième ici avec un double seulement. Mais c'est propre. Parce qu'il faut savoir qu'il ne patine pas en dernière position. Donc il doit à la fois prendre les risques qu'il faut et éviter les erreurs. Car il reste encore les plus gros concurrents derrière lui. Ah, le Rydberger, les concurrents ont du mal avec ce saut ce soir, attention. C'est certainement dû aussi, on en parlait cet après-midi, la dureté de la glace. C'est un saut de quart, il faut pouvoir bien pénétrer la glace pour effectuer une bonne impulsion, une bonne rotation. Allez. Bien, il met l'énergie qu'il faut, il s'économise pas, ça peut être dangereux pour la suite du programme au niveau technique, mais c'est ce qui peut-être le fera devenir champion d'Europe ce soir. Il va falloir reprendre son souffle. Voilà, décontracté. Ça, ce sont des passages qui plaisent énormément au public. Plaisent-ils aux juges? C'est une autre histoire. Votre avis, Philippe? Ah, mais c'est surtout un patinage puissant, une chorégraphie puissante qui peut pomper de l'énergie. Et attention au saut qui vient derrière. C'est un saut qui fait triple saco, triple boucle piqué. C'est bien ça, c'est bon. Il y a déjà 5 triples sauts réussis dans cette chorégraphie. En oui, triple loot. Attention aux arrivées, il faut les tenir. Faut pas tendre le bâton pour se faire battre. Ici le triple flip, oui. Très belle minute de programme là qu'on vient d'avoir de la part de Florent. Et ici encore le triple lutz. Oui, attention. Un tout petit peu raide à l'arrivée, mais ça passe. Ouais, c'est normal, hein. Et avec toute la puissance, je vous dis, qu'il met sur la chorégraphie. Il n'y va pas à l'économie et ça c'est parfait. Il demande l'appui du public. Le public est totalement convaincu. D'ailleurs, les Français ont beaucoup de succès ici en Suisse. Et ce n'est pas cette dernière partie de sa chorégraphie inspirée de Michael Jackson qui va nous démentir. Je vous invite à danser ce soir, Philippe, après le programme. Bah écoutez, si vous m'invitez à boire aussi, ça m'arrange. C'était sous-entendu. Ah, c'est parfait, c'est bien.
C'est ce qu'il faut. Il a passé les plus grosses difficultés. Maintenant, il sait qu'il faut amuser la galerie. Et rester concentré, vous le dites souvent, Philippe. Oui, parce que parfois, quand on est un peu trop excité, on peut faire quelques petits déséquilibres, là, comme c'était le cas sur l'entrée de la pirouette. C'est un programme très bien conçu. Laurent Amodio, France. Philippe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Nelson? C'est un bon programme. Certes, il manque peut-être le quadruple pour vraiment assurer, on va dire, la médaille d'or de ce championnat d'Europe. Mais c'est en même ce temps, qui m'inquiète. C'est la seule chose qui m'inquiète. C'est aussi le quadruple qui pourrait lui faire perdre cette médaille et puis cette avance qu'il a pris sur le programme court. Donc là, il a fait vraiment le programme qu'il fallait en étant dans la position du groupe où il passe troisième. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Stratégiquement, c'est bien fait. C'est bien patiné. Il marque des points auprès du public, il marque des points auprès des juges. Il a tenu le coup. Beaucoup de monde avait tendance à dire il ne tiendra pas la pression. Et ben, je peux vous dire que là, voilà, il a marqué surtout des points, pas spécialement sur ce championnat d'Europe-là, mais je pense que c'est sur l'ensemble de sa carrière, parce que c'est vraiment le démarrage des grands rendez-vous qui va commencer pour lui maintenant. Voilà. Il tombe dans les bras de Nikolaï Morozov, le moscovite. Et je pense qu'il va également rejoindre Annick Dumont sur le banc. Ah, tant que c'est sur le banc, tout va bien. Oui, nous n'épiloguerons pas, mais je pense que c'est uniquement sur le banc. Il est difficile d'en prendre après cela, mon cher Philippe. Oui, alors là, c'est la seule... Écoutez, le Rydberger, qui n'est pas un saut que vous maîtrisiez vous-même, Philippe, fort bien, qui ne passe pas pour être le saut le plus difficile chez les patineurs, semble poser problème, que ce soit chez les filles cet après-midi ou chez les garçons ce soir. Ce fameux saut de quart, dit également boucle. Oui, c'est, je pense que c'est beaucoup dû, ces sauts de quart ont des problèmes ici à cause de la dureté de la glace. Hein. On le disait, l'affûtage n'est peut-être pas approprié à la glace, qui est une glace de hockey sur glace. Hein. On sait très bien que les patinoires de hockey sur glace sont plus froides que celles pratiquées par les patineurs artistiques. Donc il faut être vigilant, voilà. Il faut vraiment bien appuyer et utiliser sa carte jusqu'au bout pour ne pas risquer ce qui s'est passé avec Florent là sur le triple Rydberger. Alors, Florent va donc rejoindre le Kiss and Cry, où il va retrouver Morozov et Annick Dumont. Annick qui nous expliquera peut-être dans quelles circonstances elle a partiellement rejoint Florent, tout en s'occupant également de Préaubert. Les deux hommes sont amis, certes, mais rivaux forcément un petit peu. Ça ne doit pas être si facile pour un entraîneur que de devoir conjuguer tout cela. Nous en parlerons avec elle lorsqu'elle nous rejoindra, mais c'est bien elle qui est sur la droite, ça, c'est une certitude, tout comme Morozov qui pourrait presque prendre un abonnement sur ce banc sur la gauche. Et Florent salue le public suisse qui lui fait la fête. On nous suit du reste ce soir dans toute la Suisse, nous avons reçu énormément de témoignages, on nous suit à Villars, à Verbier, à Sion, à Saillon, à Châteaudet, toute la Suisse francophone nous suit, nous en sommes très 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 heureux. Alors attention, va-t-il y avoir un petit 1 ou un petit 2? Petit 1. 75. Un petit 1, il prend la tête du classement provisoire pour le moment avec 226,86. Hein. Retenez bien les points, ça va être très important pour poursuivre le résultat avec beaucoup d'envie, de pression. Et puis je voudrais saluer, parce que quand même l'entraîneur qui a formé Florent Amodio, c'est Bernard Glesser de Cergy-Pontoise. Donc il faut vraiment aussi le comme saluer vous avez et l'associer à ces résultats.